Je mets donc mes gros boujons pour bloquer un peu l'ensemble. Voilà, c'était là. Voilà, donc maintenant j'ai la pompe à huile à remonter, ça tourne bien, c'est bon. Alors la pompe à huile, vous avez le plateau, il faut huiler, encore une fois. La pompe, je vais également la serrer au couple, que je vais regarder dans le bouquin parce que je connais pas ça par cœur. Ça doit pas être énorme. Voilà. Bon, je vais chercher la clé dynamométrique. Je refais tout, mais je resserre tout. Et puis après, on verra pour le. Alors là, j'ai mes pistons. Ils viennent de chez Aprotec. C'est marqué dessus. Ça, c'est l'axe. Je vais en sortir qu'un hein, pour l'instant. Voilà. Bon, les cylindres. Hein. Voilà, tout de suite. On plaque. Thank you.
l'air profond. Donc, je regarde s'il est tranchant, parce que bien souvent, quand on achète des poutres neufs, ils sont tendres. Quand on fait ça, à bout, ils sont râlés. Et là, non, ils sont bien. Oui, ils sont légèrement en haut. Très bien. Donc ça, c'est très bien.